Salut à toutes et salut à tous, c'est Fioz et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Pokémon Battle Revolution. Aujourd'hui non, je ne suis pas contre Rinetsu. Non, je ne suis pas contre Ila Gaming, je suis contre un nouvel ami qui est ici et qui s'appelle... Wellan. Wellan, donc des Chevaliers d'Emeraude, je présume. Oui, une bonne série qu'il faudrait lire. D'accord. Ok, donc bienvenue, on va faire, comme la dernière fois, un combat au meilleur des trois matchs. Et le perdant paie le grec, c'est ça? Oui, bah, on verra bien. pour info. Bon alors c'est parti, on va faire confirmer. Ah oui, juste un petit truc, au niveau des Pokémon, vous verrez pas quel Pokémon on a choisi, parce que je vous mettrai une image entre temps. Voilà, attention, si jamais on voit nos équipes, je te demande de tourner la tête pour pas voir l'équipe. T'es prêt? Ok. C'est bon, Marc et William. Attention, tourne-toi. Ok. Je vais être le seul à vous commenter pour l'instant, le temps que chacun choisisse de bien parler près du micro. Alors, j'ai hâte de voir ton équipe. Qu'a-t-il choisi? Soyez bienvenus au Colosseum des Hautes Chutes. J'ai préféré ce Colosseum parce qu'il est bien clair, on peut bien voir les Pokémon. Ouais, c'est vrai, hein, il est pas mal. Hein. Marc, Ancel. On y va. On y va, c'est parti. Attention. Me voilà. Alors, okay, une équipe full 4G. Ouais. Parce que... Alors moi, j'ai ma papaye accompagnée de Munja. Ouais, Munja, il est pas mal. Hein. Enfin, il est un peu... Et toi, t'as un Luxray, un Scorvol. C'est parti, on doit commencer assez rapidement. Ouais. On doit jouer assez rapidement. Ok, alors... Très bien. Alors ton Munja il type quoi déjà? Spectre, Vol? Ah, j'ai pas le droit de dire. Hein. Ok, bon. Moi j'ai terminé mon tour. Ok, alors. Ce sera... De toute façon, je regarde pas ton écran, hein, mais voilà, je reste près du micro. Donc Papaye et Munja. Ils sont très bien faits d'ailleurs, hein, nos 4 Pokémon sur le... Ouais. Ok. Alors, c'est parti alors, il attaque en premier. Tranche nuit, et merde, il a attaqué avant moi, bah tant pis. Bah, ouais, comme il est quand même rapide mon Scorvol. Hein. Bah comme il a qu'un point de vie, bah bravo. Ouh là là, ça fait mal. Hein. Effectivement, je voulais utiliser une technique, mais tant pis. On ouais, va voir. Pas fait feu, hein. Ok, on va voir. Qui va être rapide après? Ouais, ça attention. Dire, hein, vas-y Papaye, coup de boule. Papaye. Je t'expliquerai. Ok. Parce que... Je t'ai enlevé un petit peu de vie, un petit peu de vie. Ouais. J'avais envie de la mettre cette coup de jus. Ouais, coup de jus parce que mon Scorvol type sol vol, ouais. Donc j'en profite. Très bien joué, c'est super efficace effectivement. Tant qu'il a bonne défense spéciale. Très hein. Bonne défense de mon Tortank. Hein. Non, mon papa, ma papaye, c'est une ta femelle. Papaye. C'est une femelle. Ah, ah oui. Bon alors attends, Scorvol. Mm-hmm. Vas-y, you go. You quoi? You go, ok. Oula, il est un petit peu mal fait, mais c'est pas grave. Ah oui, il est un peu obèse. Hein, Non mais je sais pas, enfin bon, c'est pas grave, allez, joue. En fait. Ok. Alors... Scorvol, je voulais le mettre aussi. Oui, même parce qu'il a de bonnes capacités, il est bien divers. Hein. Ouais, il a de très bonnes capacités. Voilà. Alors, que va-t-il choisir? Excusez-le, Wellan est vraiment très... Enfin, est assez long pour jouer. Attention, qui va être... Attention, point glace! Ah oui, il est vraiment moche, hein. Ouais. Oh bon. Putain, qu'il soit efficace. Super efficace. Non. Et boum! Ah, il a failli. Pourquoi Yugo en fait je vous expliquerai après. Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde, non! Mon hydroblast! Ah, c'est bien joué ça. Papa, il rate son attaque. Coup de jus. Allez, vas-y. Ouais, coup de jus, c'est une technique que j'avais aussi. Ouais. Il est puissant quand même. Hein. Alors, normalement, il est physique dans mon Luxray. Mais... Oh yeah. Ma papa, il est toujours là. Alors, que va-t-il choisir? C'est parti! Attaque demi-tour! Ah, demi-tour, oh. Bam. Pas beaucoup d'effets. Oh putain! Si, c'est assez puissant et ça me permet de changer de Pokémon. Avec ton Colossal, je crois qu'il est quand même bien physique, je crois. Je l'ai mis full attaque. Attention! Alors, quel Pokémon? Celsius! Viens à moi! Parce que je veux pas savoir c'est pourquoi le Pokémon que t'envoies, enfin avant de l'avoir vu donc ouais. Ah, Celsius, l'esprit de la glace dans Tales of Symphonia. Ah ok. Coup de jus. Ah ouais bah du coup ça va être assez puissant je pense, hein, ça l'affecte pas. Ouais. Attention. C'est super efficace. Presque. Allez Papaye, vas-y. Riposte. Bah c'est pas physique. Ah, mais, non mais merde, je pensais que le tunnel allait me toucher moi en fait. Ah non bah non, seul contre eau. Vas-y à toi. Mm-hmm. Non franchement j'ai mal joué sur ce premier tour. Qu'est-ce
fait encore un tunnel, d'accord. Ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de capacité. Attention, Hydroblast. Oula, normalement ne... Oh si si si, oh normalement si 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 si, si. Ça oh y va, ça y va, ça y va. Ça fait mal hein. Et il est KO, bah Hydroblast, oh, non, dommage. Comme je sais que tu vas me buter au prochain tour, voilà quoi. Ton Luxray KO, mais c'était un bel effort de sa part. Ouais, coup de vue c'était pas mal hein. Attaque Grêle. Ouais. Après bon, ça te sera surtout utile pour ton... Ça serait surtout utile pour ton... Enfin, Givrali, quoi. Ah, non, presque. Non, non, mais tu vas comprendre, c'est parti. Ok. Alors, à toi de choisir quel Pokémon tu vas envoyer. Par contre, je te demanderais juste d'essayer de jouer un petit peu plus vite, puisque s'il y a plusieurs combats sur le truc, okay, ce okay serait bien que la vidéo fasse moins de 45 minutes, quoi, en fait. Ok, ok, pas de problème. Voilà. Juste... Alors, en fait, on a joué à Yu-Gi-Oh! Et puis voilà. C'est mon Simiabraz. Simiabraz, donc le Pokémon feu le plus rapide. Le plus rapide. Non, le plus rapide. Un des plus rapides Pokémon. Voilà, c'est bon. À toi. Qu'est-ce que t'as fait là? Bout de feu? Ouais, oui, ok, d'accord, d'accord. Bout de feu, puis très puissante attaque feu. Ouais. Il est mort, il est mort, il est mort. Ouais, il est mort, je pense qu'il est KO aussi. Bah tant pis, je voulais... J'espère que mon score va aller plus rapide que ton Tortank. Sauf que mon Tortank, je crois que... Je sais même pas si j'ai pu attaquer. Parce qu'il me semble qu'il doit se recharger, mon Tortank. Hein. Ah. Attention, contre-coup. Tunnel, ouais, c'est bon, non, c'est, bon, il, est mort, c'est bon. Il est mort, il est mort. Pour l'instant, je mène. Hein. Adieu, ma papaye. T'inquiète pas, va. Bah. C'est marrant, une équipe avec plein de noms de fruits, en fait. C'est genre... Ouais, bah ouais. C'est... Banane, pomme... Bah après, faut connaître, faut connaître. Ah, ah non, c'est bon. Bon. Alors merci la grêle, donc là j'ai deux Pokémon de sortie. Alors, pour l'instant je mène 5 à 3. Allez Porygon. Porygon Z. Non, Porygon 2 je crois. Ah si, Porygon Z. Ah oui. Orochi, go. Il y a un nom de sushi, mais bon. C'est le roi serpent dans selon la légende. Ah, alors c'est un Arbok. Ok. D'accord. C'est parti. C'est parti. Alors. Voilà. On va voir. Qui va être plus rapide. Attention. Voilà, il est très rapide. Triple attaque. Très belle d'ailleurs sur la... Ah, c'est normal là, on manque de fou. Ouais, bah oh mais... non. Eh si, boum, boum, oh boum, 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 triple attaque. Triple attaque. Ah c'est si puissant que ça. Ah bah oui, c'est attaque normale en plus. Hein. Attaque normale mais élémentaire. Attaque oh pic toxique. Ouf, oh, j'ai eu peur. Donc quand même, ça fait quand même pas mal de. Ah oui. Ah oui, ils vont être empoisonnés en fait. Quand ils vont venir ouais, sur le terrain. Ça veut dire que quand ils vont venir sur le terrain, ils vont être empoisonnés à chaque fois. La grêle continue. Bon ça me touche, mais bon. Ouais. Pour Porygon Z de marque est frappé par grêle. Orochi est frappé par grêle également. Ok, ok. Est-ce que... Non, du coup, t'es pas touché par la grêle. Voilà, les ouais, PV voilà sont passés. Les... Ah ouais, j'ai... Ok, vas-y, j'ai à toi de choisir, choisir. Alors, moi, je choisis, alors. Très bien. Pour Porygon Z et Orochi. Alors. Torterra. Mon Torterra. Est-ce qu'il va être empoisonné? Oui, il est empoisonné, du coup. Ah oui, ah dommage. Bon. Alors... Voilà, c'est parti. Triple... Ah bah merde, je suis con, il était en dessous, il est sous la terre, j'avais oublié. Ah, dommage. Là. Allez, gros givre. Oh, je crois que c'est 4 feux efficace. Et... J'ai un peu peur. Normalement, il résiste bien. Ah, voilà. Il résiste plus. Il résiste quand même. Hein, mais bon, je crois qu'au premier tour... Hein, tunnel. Normalement, en tournant à Arbok, il devrait pas pouvoir... Effectivement, ouf, effectivement. Ah. Mon Arbok est KO. Mais je le voyais plus massif, en Orochi fait. Plutôt. Non, oui, Orochi, oui. Merci. Ah, oh putain ouais sans plus hein. Ouais sans plus. Moi je pensais que mon Scrobol serait KO mais en fait là je crois qu'il va là, être KO, je crois qu'il va, il va être achevé par la grêle. Il me semble, je suis pas sûr mais je pense qu'il va être achevé. Je pense qu'il va être achevé moi aussi. Ouais ah, il est KO, il est KO. Ah non, non même pas. Il est pas KO hein. Hop voilà. Bon. Hop, Bessitruzzi pour Porygon Z reste ah, en ah oui d'accord, PVB. Et toi, reste, ouais. Ouais, d'accord. En fait, c'est vraiment le full, le tour vraiment full. Ah, il souffle du poison, ouais, c'est quand même assez. Bon,
Allez, Yugo, vas-y, reviens. Deux Pokémon. Il me reste plus que deux Pokémon, effectivement. Ton Yugo, ouais. Je pensais pas que ton équipe serait si dure à battre. Je suis franc. Ah bah tu m'as sous-estimé. Ah, il reste plus qu'un PV à mon Scorbol en fait. Hein. Merci de me l'avoir dit, vas-y. Bah c'est pas une surprise. De toute façon, vas-y, je joue, y'a pas de... Y'a pas, ouais, ouais. Alors... Attention, ça va jouer très dur là, attention. Je réfléchis, attends. Alors... J'ai très mal joué sur ce combat, chers abonnés, hein. Je suis vraiment désolé. Alors... Tu peux essayer de faire assez oui, vite, par contre. C'est bon, c'est bon. Oh, un sweep. Bien joué. Et tout Raptor, d'accord. Intimidation, bien fait pour un Pokémon type combat. Mais par contre, on n'oublie pas que... Ah, il a pas été empoisonné. Point glace. Ah, merde. Et ouais. Oh. Ah non. Ouf, ça va encore, ça va encore. Avec un peu de chance, il aurait été gelé. Ah, triple attaque. C'est pas... Ouais, bon là, boom. Je pense qu'un PV, bon... Un PV, il est mort, c'est bon. Ouais, voilà. C'était un peu du tout cuit. Au revoir, Scorbol. Ok, bon, vas-y. Bon, ben alors... Et la grêle s'est arrêtée, pour un peu. Ah ouais, la grêle s'est arrêtée. Ouais. Ah, j'avais pas eu. Vas-y. Est-ce qu'il va renvoyer son Torterra ou un autre truc? Pingoléon. Pingoléon. D'accord. Okay. Alors... Oula, non, mais je suis con. Merde, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû, je crois. Ah si, lame de roc. Aïe, je crois que c'est super ça, efficace ouais, là, aussi. Mort, hein, ouais. C'est efficace, super efficace aussi. Donc ton étouraptor est venu, il a vu, et il fut vaincu. Il est parti. C'est triste. Il a rien fait. Étouraptor est KO. Hop, bah du coup tu vas devoir renvoyer. Hop, et triple attaque. Ben, non, avec un peu de chance, changement de statut. Non, l'équipe passe normalement, c'est pas très efficace. Ouais, mais même, ça, il peut être paralysé, brûlé ou glacé. Hein. Non, ouf. Ok. Bec vrille. Ah, bec vrillé. Eh oui, bec vrille, normalement. Coup critique. Oh la chance. Alors ta mocheté va partir. D'accord, ok, vas-y, vas-y. Ok. Allez, alors, à toi, je crois à toi. On est plus toi. Que 2 à 2. À toi, non. Ah non. 2-1. Vas-y, vas-y. Alors mon Torterra. Qui est mal en point, mais tout vivant. Ouais. Ça se joue à peu de choses, je pense. Vas-y, vas-y, vas-y. Jouons rapidement, s'il te plaît, par contre. Alors... Vibroscure. Vibroscure. Non. Ah merde, putain, j'ai mal calculé. Laser glace. Normalement, je finis. Normalement... Oh non, ah, allez. Tiens, alors, il tient. Pour la fin, VG attaque. Raté. Non. Si. Pourquoi? Parce que bah, je l'ai vu qu'il j'ai vu qu'elle... Bah si, je l'ai vu qu'elle était ratée. Dommage. Oh, ouais, j'aurais pu gagner. Souffre du normalement, je devrais gagner, mais bon, on sait jamais. Ok, vas-y, vas-y, on y va, c'est parti. Vas-y, vas-y, jouons rapidement, il reste plus rien à faire maintenant. Soin. Non, soin. Ouais. Ah bon. Je pense que tu vas attendre que mon Torterra se fasse empoisonner tout seul, en fait. Bah au bout d'un moment, il y a poison, ouais. Je crois qu'il va tout mourir en plus. Ouais, attention, on va voir. Mais normalement, si tu m'as... Voilà, t'as placé la marteau bois, c'est bon, normalement, je suis KO. Ah oui, en fait, comme t'as gagné, il a réussi son attaque... Bravo, ouais. il a gagné. Je trouve qu'il y avait le contre-coup. Ah, Torterra est KO. Voilà, donc bien joué. Bon, écoutez, c'est la fin de ce premier combat. C'est la fin de ce premier combat. Je sens qu'elle va venir, hein. C'est la fin de ce premier combat. Bah écoutez, victoire 1-0 pour l'instant. On se retrouve tout de suite pour la suite. Salut, Wallen. Salut, C'est fieuse, oui, ça, là, c'est fieuse. Je regarde l'heure. 19h07, c'était juste pour savoir. C'est parti. En selle. On y va. J'aime pas nos gueules. Attends, c'est parti. Alors, oh. Je les ai ressortis. Elector et... Ouais, Elector et Mazzamune. Asuka et Mazzamune, allez, c'est parti. Alors... Okay. Ouais, moi, j'ai joué rapidement. Parce que là, je me dis, il y a quand même un grec à la clé, je vais pas... je vais essayer de pas lésiner, quoi. C'est parti.
Donc je pense que Pangoléon contre Asuka, à mon avis, la logique voudrait que tu sweep. Je pense. La logique. La logique voudrait. Ok, c'est bon. C'est bon. Ouais, j'en étais sûr que t'allais sweeper. Oui, parce que bon. Et tu vas balancer qui à la place, on va voir. Et les... Ah, extrêmement bien joué. Ok, Abri. Non. On va voir, Abri. Ok, ok, Abri. Abri. Ouais, moi bien évidemment, tu sais très bien ce que je vais faire. Oh oui, très... Oh putain, il a une sale gueule Nost Enfer. Hein. Oh non, arrête, il est bien fait par rapport à la DS. Non, mais hein, ça, ça bouge, je veux okay, dire. Ok, c'est parti. Ah, il m'avait pris de me guérir, au fait, hein, je t'ai pas dit. Est-ce que t'as fait une attaque électrique sur le mien? Attaque coup de jus. Ok. Bon, moi, je me protège. Oh putain, j'ai... Augmente sa vitesse, normalement. Ok, Madamoun se protège. Allez, vas-y, prends tout dans ta gueule, Nost Enfer. Aïe, aïe, aïe. BAM. Oh, KO en un coup, c'est bon. Voilà, ah bah non. Ceinture force. Ouais, mais t'es paralysé aussi. Ah ouais, donc normalement c'est un faire quand même rapide, mais là paralysé, ouais. Je sais pas s'il attaque rapidement. Je sais pas s'il attaque rapidement. Donc alors, on va essayer quelque chose. Je remercie cependant la console de m'avoir prévenu d'un truc. Mur lumière. Ouais, c'est bien, ça augmente un petit peu la défense SP, c'est ça? Ouais, c'est d'accord, ça. C'est ça. Ok, à mon tour. Tour magique. Merci de m'avoir prévenu que l'orbe toxique empoisonnait à fond. Donc je récupère ton objet. Je sais pas c'était quoi d'ailleurs. C'était une vie-griffe. Ok, d'accord. Et orbe oh toxique. Non, orbe et voilà. Toxique. Et puis il s'envole. Et je m'envole pour pas que tu attaques... Voilà, j'étais sûr que t'allais attaquer le poison croix sur, sur lui. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Et il voilà, est gravement empoisonné. Oh, gravement empoisonné par toxique. Aïe, aïe. Ah et ben moi aussi du coup j'ai été empoisonné parce que j'ai pas attaqué dès le début. Ah c'est vraiment une petite... C'était vraiment une erreur de ma part mais bon, tant pis. Alors on va voir. J'ai joué moi. De toute façon mon Mazamune est encore là hein, donc voilà. Je pensais pas, si j'avais gagné je pense que j'aurais pas sorti mon Elector mais là... Là je pouvais pas me permettre. Tu m'excuseras. Hein. Ouais, ton Hector il est quand même pas mal. Hein. Il est bien, il est bien. Attention, Giga Impact, attaque normale d'ailleurs, mais qui rate. Oh non. Parce que j'étais encore en train de voler. Psycho. Je pense que tu ferais abri avec ton Mentalif, enfin ton Mazamune. Aïe aïe aïe. D'accord, Psycho. Attaque vol. Il te reste qu'un PV donc bon. Bye voilà. Bye. Au revoir. Bye bye Nostra. Non, 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 moi je le trouve. Non, il est bien fait sur la Wii, je trouve. Ses dents, regarde. Ouais, mais c'est pour faire. C'est pour rajouter un petit peu l'effet, tu vois. Moche l'effet destroy et les câbles. Ah. Est-ce que tu savais que j'allais faire coup de jus en fait pour que ton les câbles ait la vitesse augmentée? Vas-y, à toi de choisir. Je m'attendais à une attaque comme celle-là. D'accord. Parce qu'il a vu mon foudroyon à l'œuvre. Alors. Attention. Allez. Ouh, Karchakrok. Le Pokémon le type dragon le plus moche du monde. Pas si moche, hein, oui. Voilà. C'est bon. Je renvoie mon Mazamune. Oh, tu renvoies ton Mazamune. Ouais. Je trouve qu'il a un nom, hein. C'est un joli nom, moi, je trouve, Mazamune. Et je renvoie Celsius à la place. Aïe, aïe, aïe. Giga Impact sur... Sur Elector. D'accord. Mais les attaques normales, ça a pas de super efficace, hein. C'est quand même puissant, je pense, hein. Ouais, c'est puissant, mais du coup, tu peux plus attaquer au prochain tour. Et boum, canicule. Canicule, normalement. Canicule, aïe, ça... Aïe, aïe. Oh, putain, il est résistant, ton écable. Ah, ouais. Oh non! Ah la chance, mais bon, ça aurait pas fait chaque fois qu'attaque Draco Griff. C'est pas beaucoup de dégâts. Ah mais ouh, quand même. Hein. Celsius n'est pas très défensif en fait. Voilà, bim, ton le poison t'a achevé quoi. Alors je crois que normalement c'est toi qui est en train de dominer là. Ouais, c'est moi qui suis en train de dominer. Ouais. Dieu bénisse l'Amérique. Ok, vas-y, à toi de choisir. Alors, qui va-t-il renvoyer? Qui... J'aurais pas dû prendre de Munja au dernier combat. C'était une grosse erreur. Attention! Tu savais à quoi ton si, Munja en fait, mon Munja en fait il pouvait utiliser attaque effort pour que tu te retrouves avec un point de vie toi aussi. Ok. Ouf 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 ouf. Allez on va tenter le tout pour le tout. Allez, j'ai pas le choix là. Mon Celsius c'est pas très Celsius c'est pas très défensive. Simiabraz, bout de feu. Merde, j'aurais dû prévoir. Mais t'es bête? Non. Bah si le feu. Ouais mais bon, si ça m'aurait achevé en un coup quoi.
Si tu veux échauffer ton élector... Ok, on va voir, sauf que je te rappelle juste un truc. C'est que le dragon, il craint la glace. Et là, si j'ai pas... Bon, sous la grêle, j'aurais pu faire et un... gros feu. Ah merde, j'ai rien dit. Allez, résiste. Je pense pas, parce que bon... Oh oui. Gros feu, c'est pas très puissant. Allez, blizzard. Et Draco Riff, ça fait... Attention, blizzard, vas-y. Oh, ses oreilles, c'est mignon. Bam. Aïe, aïe, aïe. Oui. Non. Et sous la grêle, ça aurait été un Draco Riff, c'était... Ça a fait quand même pas mal de dégâts. Oui, ça a fait pas mal de dégâts, ouais. Mais Crofeu, ça aurait fait plus de dégâts, normalement. Oui, mais Crofeu, ça a une puissance de base de 75. C'est moins puissant que le reste. Alors, Draco Riff, c'est 80, c'est pas... Allez. Celsius, attention, on va partir sur un beau duo, là. Un beau duo, tu dis. Allez, c'est parti. À moi. M'Dole. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, j'avais choisi Pingoléon. Bon, je sens que la victoire est proche de toi. On va voir. Faut jouer, faut jouer rapidement. Faut jouer, alors. Ouais. Ouais. C'est parti. C'est bon. Casse-brique. Type combat, je crois. Ouais, combat, ouais, super efficace, effectivement. Je pense que normalement... Attends, il me reste pas un PV, là? Non, c'est terminé. T'es sûr? Ouais. Oui. Quand même. Adieu. Ok. Donc Celsius. Ouais. Attention, ouais. Contre-coup, hein. Toxique. Aïe, aïe. Alors, ça va. Je pense qu'au prochain tour, il va se faire KO. Non, quand même pas. Si, avec attention, Begbrie. Begbrie. Ah, je crois qu'il il a beaucoup de PV. Ouais, il a beaucoup de PV, M'Dole. Hein. Ouais, j'avais pas compris. Même... Mur lumière ne fonctionne plus dans le camp rouge. Bam. Yes. Reste, merci. Alors, je renvoie Pokémon... Porygon. C'est parti. Voilà. Attention. Machination. Permet de attaque stats, spé monte attaque beaucoup. Spécial, ouais. Casse-brique. C'est que ton Porygon est rapide quand même à sa vie. Ouais, attends, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va... Oui. Oh putain. Alors Porygon est venu. Il est parti. C'est... Voilà. C'est bon. Ça c'est allez, fait. Allez, c'est pas terminé. Le tour est pas terminé là. Alors. Allez. Au croupi. Elle est vraiment belle là. Voilà, bim. Casse-toi. Oh, Simiabraz. Dehors. Non. Mon pauvre Simiabraz. Il est mort. Il est bien fait d'ailleurs. Oui, il est quand même bien fait. Vraiment, c'est... Voilà, les gens ils achètent Battle Revolution pour voir un petit peu en 3D oui. Comme ça avec les ombres. C'est vraiment génial. Begbrie, attention. Begbrie. Bon, je pense qu'il va pas mourir, voilà. Bah non, il meurt pas. Non, pas du tout. Hein. Même en cas de coup critique, il va pas mourir. Il est vraiment bien stock, ton... Enfin, ton... Non, ton j'ai tout misé, j'ai tout misé sur les PV, en fait. C'est un 430 PV, je crois. Ah ouais, donc il peut résister longtemps. Non, 463, voilà. C'est parti. Pour l'instant, à toi de choisir, faut choisir ton dernier super. Hein. On est à égalité, 2 contre 2. Que va-t-il se passer? Attention. Torterra. Torterra encore. Eh oui, Torterra. Ok. Alors, toi, ça va être qui? Mazamune de retour. Mazamune, ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est Mazamune. Parti. Très bien. C'est bon. Allez, à l'assaut. Maintenant. Psycho. Normalement, c'est psycho. Bon, là, normalement, ça passe. Normalement, une... Ouh. Allez, achevez-le. Oh là là. Allez, achevez le bleu, voilà. Blizzard. Non, Blizzard. Et boum, sur les deux. Je pense. Bon, lui, pas très efficace. Pas très efficace, ouais. Effectivement. Ouais, mon Torterra, il est venu. Oui, il est gelé. Oh non, oh. Il évite l'attaque. La chance. Et pourquoi il est gelé? Quoi? Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas du tout. Alors là... Mais j'y crois pas. Faut pas oublier que je souffre du poison quand même. Marteau bois. C'est plante, ça, non? Ouais, c'est plante. Ouh, c'était limite, hein. Effectivement, c'était très, très, très limite. Ouf. Ah ouais, très limite. Ok, on est reparti. Quand même, je pense que mon Torterra va pas tenir. On va voir, dans ce cas on achève là, dans ce cas c'est le dernier tour, on essaie d'aller un petit peu vite.
Voilà, c'est bon, moi j'ai joué. T'as vu 2 contre 2 là, hein. Ouais, c'est bon, abri. Et bon, normalement, ton Torterra il est dehors là, c'est bon, c'est fini. Pour ouais, normalement, ouais. Torterra est dehors. Bam. Non, Torterra. Ah, dommage, hein, parce que... J'avais mis morsure, enfin mâchouille sur Mantali, donc... Ah oui, non, normalement, c'est question s'est passée, ouais. Laser glace sur Matsumune. Attention, ça tient. Oh, ça tient. Sauf si je suis gelé. Toxique. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore, j'ai encore le poison que je me suis moi-même infligé, en fait. Alors, mon Pingoléon, normalement, a toute sa vie. Presque toute sa vie, on va dire. Vas-y. Quoi? T'as Vigrich en fait. Non mais j'avais pas de Vigrich. Mais c'est quand même. Ah oui d'accord. Oui ça m'a permis, si, ça a permis d'activer. Alors si il tient au croupi, non c'est pas beaucoup de dégâts. Non ça fait pas beaucoup de dégâts mais ça peut baisser ta précision par contre. Ah ouais. Ah il y a quand même pas mal de dégâts. Hein. Attention est-ce que ça baisse? Non. Non. Surf. Qui a échoué. Qui a échoué. J'évite l'attaque. Bah c'est surtout contre lui en fait que je voulais mettre l'attaque. Grâce à Absorb O d'ailleurs. Bah oui. Absorb O. Souffre du poison. Ah j'ai fait une connerie. Mon Dieu, hein. J'ai fait une connerie. J'avais pas vu que j'avais oublié que Tonacoli avait Absorbo. Donc je pense que le match est fait, ouais. Tonacoli remonte sa vie facilement en plus. Les PV sont restaurés par reste. Sachant qu'il me reste un dernier Pokémon. Je pense que c'est le dernier tour. Orochi. Ah oui. Eh oui, il m'en restait un. J'avais oublié qu'il m'en restait un. Bon vas-y, on essaie de jouer vite fait. Ouais, si je veux, pense mais... que c'est foutu. De toute façon, voilà, j'ai... Bon. Ouais, c'est bien dommage. Bon ben... Je pense voilà, que tu m'as battu. On va voir qui va attaquer plus rapidement. Des tricanons. Il a raté. Ah non. Ouais, non. Ah merde. Ah oui, c'est type, il est type haut acier, c'est pour ah ça. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Je pense qu'il a raté aussi. Oula. Ouais. Surf. T'es sûr? Bah du coup, ça va... Ouais, mais je pensais en fait que t'allais me battre. Enfin, que t'allais me battre. Ah oui, quand même. Mais d'accord, bah surf, oui, mais là, tu me boostes en fait. En fait, je pensais que j'allais mourir ce tour-là, donc je me dis, bon... Mais de surf. Ah d'ailleurs je suis... Ouais voilà, ok c'est bon, hop. Je pense que Nakoi, voilà, il est bien... Attaque. Voilà, c'est bon. Alors je précise, attends, je vais quand même préciser juste un truc. Machoum. Normalement, pas très efficace. Oui, pas encore très vivant. Efficace. Encore vivant, encore vivant. J'aurais pas dû faire ça. Voilà, au croupi. Je pense qu'il est mort. Non, non, il est pas mort. Si, si, si. Non, non, il est pas mort, je te dis. Je te dis qu'il sauf est si mort. Un coup critique, il est pas mort. Je te dis qu'il est mort. Ouais, il est mort. Voilà. Juste un truc sans faire exprès, j'ai mis deux restes sans faire exprès, donc un à mon Orochi et un autre à Emdol. Donc le Orochi, ça l'a pas du tout affecté, je veux dire, s'il y aurait pas eu reste, j'aurais gagné quand même, tu vois. J'ai pas fait exprès en fait, donc ça change rien. Non, c'est pas grave. Pas fait exprès. Donc ouais, j'ai gagné. Alors on se retrouve très vite pour le dernier combat, la finale. Qui va payer le kebab avec la boisson. Avec la boisson. Attention, la boisson. On se retrouve très vite, tout de suite après. Éteignons les DS. Bonne chance, Wellan. Bonne chance, Fuse. Approche-toi un petit peu, par contre. Ouais, ouais. Je peux paraître chiant pour mes vidéos, mais c'est rare quand... Ah, nouveau Colosseum de belle saison. C'est rare, en fait, quand je dis pas de se rapprocher du micro. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est la première fois. Et on y va. Et on a un public. C'est parti. Ah ouais, un public. Pas beaucoup de personnes, mais bon... Intimidation, là. C'est parti. Ok, ok. Ok, bah allons-y, hein, bonne chance. Bonne chance. Voilà, moi j'ai terminé mon tour. Qui va attaquer en premier? Attention, c'est moi qui attaque en premier, tour magique. Ah oui, tour magique, avec mon Karchakrok, il y a je ne sais plus quoi. Il y a quoi dragon, donc ça ne sert à rien en fait. Mais c'est pas grave, au pire je pourrais le rééchanger si je veux. Voilà, orbe toxique, qui va attaquer en premier? C'est Luriforce. Aïe aïe aïe, sur... Non, je crois qu'il est mort, ouais. Je pense qu'il est... Oh non, il est très puissant, Nido King. Au premier tour. Au premier tour, mon Luxray, qui avait bien servi la dernière fois. Effectivement, mais voilà, il est carré. Ouais. Léger avantage pour moi dès le début, donc. Léger avantage, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Tunnel. Tunnel, d'accord. Ah non, orbe toxique, ah ouais, tu... Ah, j'aime pas ta technique, là. Vas-y, c'est à toi de choisir. Empoisonné, ouais. Alors... Nido King et Madame Mune. Nous allons donc voir. Attention. Vas-y. Faut valider à chaque fois. Mais Nidoking, à chaque fois, je le voyais beaucoup plus gros, en fait. Beaucoup plus gros, plus puissant. Je pense qu'il est plus gros de base. Hein.
Et tout Raptor, d'accord. Et tout Raptor, ouais. Okay, ça me réduit, c'est bien ça, c'est... C'est très bien joué de... Intimidation, ouais. C'est pas mal, c'est... Ça sert à des choses. C'est clair. Alors... Voilà, moi j'ai joué. Alors, est-ce que t'avais utilisé Tunnel sur lui? Non, sur ton Nidoking. Sérieux, mais il est type sol, Nidoking. Il est type poison aussi, donc type ça sera... Tonnerre! Tonnerre. Alors, s'il y a encore KO du... Attention. Une par attaque. Contre, il a une très faible défense, par contre, mon Nidoking. Alors, je pense qu'il va être KO, alors. Parce que poison et sol, donc type poison, donc normalement... Attends, type poison, on va voir. Type poison, c'est... Ah oui, très efficace, j'avais pas... Ah, effectivement. Ah, dommage. C'est quoi? Ah oui, Bepitaille augmente mon attaque spé. Attaque spé? Ouais. Un peu plutôt physique ton Nidoking. Ça fait déjà deux Pokémon KO. Il est plus attaque que attaque spé, mais là t'as la faiblesse de être pour Raptor en fait. Vas-y à toi. Ah, c'est mauvais. Two Pokémon down. Déjà, ouais. Alors. Vas-y. Moi quand il y a un grec à la clé, je suis prêt à tout. Simiabras, d'accord. Voilà, moi j'ai joué. On va voir. Allez, Mazamune, Nidoking, battez-vous jusqu'au bout. Alors... Voilà, mais un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, y a pas de soucis. On coupera ça au montage, ça fera à peu près 50 minutes, ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est Balombre. Balombre sur... C'est pas beaucoup, très... Ah si, quand même. Non, hein. Non, un petit peu, juste quand un même, peu. Hein. Et défense spéciale baisse. Défense ça, c'est mauvais signe. Bon, bien sûr, casse-brique, voilà. C'est bon, je suis KO. Je pense qu'il est KO, oui. Allez. T'as joué avec le feu quand même, hein, je veux pas dire, mais... Oui, quand même, c'est vrai que Psycho, ça aurait pu faire très mal sur mon Simia. Ça aurait pu. Draco... Oula, non, oh non, non, pas Draco Griffe, pas Draco... Ouf, c'est dur. Je me demande si ce qui s'est passé s'il y avait eu le Crodagron, mais bon. Il l'a pas. Voilà, c'est dommage. Alors... Epona, go! Epona. Ah. Oh, oh, il est Shinei. Oui, Shinei, c'est bien de dire Shinei. Mais je le préférais, dans les anciennes versions, le bleu était plus beau. Allez, je vous... C'est qu'on dirait plutôt un cheval fantôme. Je vous dis ça, je dis rien. Alors, Mazamune, très bien. Je vais tenter quelque chose. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Que de faire? Que de faire? C'est pas très efficace normalement. Merde. Je pense que ton Epona est à torche, donc je pense pas que j'ai quand même un petit peu feu sur lui. Parce que... Pour magique, je pense que j'ai obtenu un charbon, c'est ça? Non. Hors de vie, t'as obtenu, je crois. D'accord, très bien. Mais moi, Crodagon qui ne me sert à rien. Ouais. Escalade. Normal. C'est pas une CS, ça, d'abord? Oui, c'est une CS. Mais quand même puissante. Hein, donc, voilà. Mentali, t'as bien joué. Bon, du coup, le... Bah le Crodragon il reste sur le terrain. Ouais, Crodragon. Tunnel. D'accord. Ah pourquoi Ah oui, du poisson. Poisonné, ah oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Ah, l'attaque du tour magique elle est impardonnable. Hein. Vas-y maintenant, à moi. Asura, go. Alors c'est qui Asura déjà? Ah oh, ton Asura. De Pokémon signature. Ouais. Je m'en suis toujours servi. Très bien. Alors... J'ai fini. Oh non! Il renvoie son Simiabras. Eh oui, je ne suis pas complètement idiot. Alors, mon Torterra. Torterra, très bon choix. Sauf que... Ah, j'aurais dû. Ouais, sauf que c'est quand même méga corne, super efficace. Oh là là. Ouais, méga corne. Quand même, hein. Je rappelle, c'est quand même une licorne à la base, donc normal qu'une tunnel, normalement, tunnel serait puissant. Sûr, elle est pas résistante du tout. Ah elle voilà. Est pas résistante du tout. Elle a bien voilà. Joué. Elle a bien regarde joué. La médaille, voilà ce qui se passe. Bon allez, surpuissance. Ah ça bah, avait du puissant. Coup, je sais pas. Hein. Je pense qu'il est KO. Oui. Bah surpuissance. Oh. Quoi oh, oh il a encore envie. Il a résisté. Parce qu'il a une bonne défense. Ah bah non, ça veut rien dire en fait. Si. Il a de longues oreilles, ton Nidoking. Hein.
C'est une. Elle. D'accord. Quand même, ils sont quand même assez... Je rappelle que Nidoran mâle et Nidoran femelle sont vraiment les deux Pokémon, en fait, les deux premiers à avoir fait, avoir opéré le changement de sexe. Ouais. Je les aime beaucoup, ils sont très beaux, je trouve. Attends, on m'appelle ou quoi? Non, j'ai rien dit, je croyais que mon téléphone avait sonné. Ah, Emdahl, ok. Emdahl, ouais. Si je te prête Tales of Symphonia, tu devras dire Emdahl. Hein. Emdahl, d'accord, Emdahl. Je retiens. Mm-hmm. Très bien. Ouais... Voilà, c'est bon, j'ai joué, on va voir. Il nous reste 3 Pokémon chacun. Donc, mais léger avantage pour moi au niveau des PV. T'es bête d'avoir fait ça? Pourquoi? Bah le poison il va l'achever direct sous terre. Ah oui, j'avais oublié ça. Okroupi. Bah, ah non, attends. Ouais. Ouais, voilà. Donc il est... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Des fois il y a une petite feinte en mode le mec il bouge pas. Parce que l'autre ne va pas se faire toucher du coup. Et je pense qu'il est KO, oui. Ouais, KO. C'est bien triste. Il n'aura jamais sorti sa VG attaque. La VG attaque est très belle d'ailleurs. Mais... Ah bon, on la verra pas, je ne crois pas. On l'avait déjà vu dans une vidéo. Ouais, tu vois, c'est ce que je voulais te dire. Il est KO direct. Ouais, j'ai oublié, j'ai mal joué. Et comme par magie, il sort et il a rebouché le trou, tu vois. Bon allez, vas-y, dernier. Jardinier. Ton dernier Pokémon. Ah ouais, donc... Non, j'en ai deux. Ah bon? Ouais, j'ai fait revenir. Ah oui, Cilabras, donc... Je vais revenir sur Cilabras, ok, et ensuite. Je crois que tu le connais. Un Goléon ? Oui, voilà. J'en étais sûr. Toujours vers la fin, je crois. D'accord. Bon. Alors tu as Emdahl, très bien. Très bien. J'ai joué. Attention. Attention, abri, très bien. Tu me protèges. Bout de feu. Abri normal. Non, c'est pas très efficace. Je sais pas, il me semble que ça va être puissant quand même. Hein. Mon Asura, elle est pas très résistante, mon Asura. Attention, contre-coup. Oui. Attends, séisme. Séisme. Je crois que boum, c'est super efficace. Double faiblesse, parce que ouais. Combat feu. Et OSI aussi je crois, donc je crois que j'ai perdu. On va voir. OSI, ouais, c'est super efficace, je m'en souviens. Le KO. Mon dernier Pokémon, je te le dirai après. Attends, si je... C'est super efficace, ouais. Ah, il a l'air bien résistant quand même, ton... Ouais, il est bien résistant, mais bon, c'est dommage. Normalement, je pense qu'il devrait être KO. Hein. KO. Ah. Bah, vous allez voir mon dernier Pokémon quand même. Ouais, donc mais bon. Ça se finit quand même... Emdahl en plus il est très résistant, j'ai pas de capacité très puissante pour le vaincre. C'est bon, c'est fini. Je pense que c'est... Oh d'accord, c'est fini. J'ai rien dit, c'est bien fini. Non mais attends, après, je peux rater 3 attaques à la oui, suite. Oui, c'est hein. Possible, oui, c'est très possible. Hein. Allez. Bon, je pense que c'est foutu. Allez, c'est parti. Fatal. Oh là là, en plus, tu me... Boum. C'est bon, c'est fini. Bon bah écoute... Bon moi le kebab, je paye. Le kebab et la boisson. Salut. Bah écoutez, la fin de cette vidéo, franchement tu t'es très bien battu. Ouais, j'ai juste fait une petite erreur au niveau du premier, donc petite déclaration peut-être as-tu à faire. Oui, je trouve que t'as très bien joué, hein. Je te félicite. Quel Pokémon t'as vraiment mis le plus, enfin, a été le plus dur à battre pour toi? Emdahl, parce que je crois que je l'ai jamais battu. C'est qu'il est vraiment bien. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, bah écoutez, c'est la fin de ce triple match. Donc, j'espère qu'on se refera un jour un match. Hein. Pas de soucis, bah de toute façon tu viens quand tu veux, y a pas de problème. Donc on vous laisse ici, c'est la fin de cette vidéo, et on se retrouve très vite pour de nouveaux combats, et c'était le premier live de... Wellan et Fuse. Salut, au revoir.